dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur tout-puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous. Mère nouvelle, illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il reverse ce qui est bien. Dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, notre louange. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu a fait péché pour supplication. Priez Dieu votre Père qui est là dans le secret, et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. Psaume 118, strophe 6. J'étends les mains vers tes ordres que j'aime.
Psaume 10. Psaume 11. Cantique d'Isaïe 59, deuxième partie, page 303. Nous avons péché devant toi, Seigneur, et nos fautes témoignent.
sainte, celui qui se garde du mal espolié. Le Seigneur l'a vu, il s'est indigné, il s'est étonné qu'on n'intervienne pas. Alors son bras devint son soutien, et sa justice son appui. Il a mis sur sa tête le casque du salut, il a revêtu la justice comme une cuirasse. Il s'est revêtu de justice, s'est drapé du manteau de la jalousie. À chacun il va payer son dû et fera connaître sa gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Martini, se retrouver soi-même, le combat spirituel. La vie de Jésus a été une lutte formidable, une prise de position résolue dans le grand combat contre l'adversaire. Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc décrivent l'épisode de Jésus tenté dans le désert. La page sur les trois tentations diaboliques que Jésus a gagnées en notre nom est riche d'enseignements. Elle a captivé les artistes, les lettrés et les poètes. Dostoïevski écrit dans Les Frères Karamazov : supposons qu'elles aient disparu des Écritures, qu'il faille les reconstituer, les imaginer à nouveau pour les y replacer, et qu'on réunisse à cet effet tous les sages de la terre, hommes d'État, prélats, savants, philosophes, poètes, en leur disant « Imaginez, rédigez trois questions qui non seulement correspondent à l'importance de l'événement, mais encore expriment en trois phrases toute l'histoire de l'humanité future. Crois-tu que cet aréopage de la sagesse humaine pourrait imaginer rien d'aussi fort et d'aussi profond que les trois questions que te proposa alors le puissant esprit ? Ces trois questions prouvent à elles seules que l'on a affaire à l'esprit éternel et absolu, et non à un esprit humain transitoire. Car elles résument et prédisent en même temps toute l'histoire ultérieure de l'humanité. Elles symbolisent toutes les tentations humaines, les crises, les souffrances de l'humanité. Jésus s'engage dans le désert afin de se laisser tenter par Satan et entame une période de 40 jours de jeûne. 40 jours qui évoquent la marche héroïque, exténuante, du peuple d'Israël dans le désert. Le désert est le lieu de la solitude, de l'égarement, de la faim, du silence et de la prière. Jésus se réfugie dans la solitude et vit le jeûne, la pénitence, l'austérité, la fatigue, la prière, le silence. Thank you.
Bonum est confidere in Dominum, bonum sperare in Dominum. Bonum est confidere in Dominum, bonum sperare in Dominum. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Bonum est confidere in Dominum, bonum sperare in Dominum. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, au début de notre chemin vers la Pâque, Dieu veut nous encourager par sa parole pour que nous mettons toute notre confiance en lui et nous laisser guider par elle. Le prophète Isaïe illustre son propos à l'aide d'une image empruntée à la météorologie, le phénomène de la pluie et la neige qui arrose et féconde la terre. La parole de Dieu est féconde pour l'homme. Elle lui fournit tout pour qu'elle porte du fruit. Et si nous voulons, elle veut nous accompagner tout au long de notre route. C'est une parole vivante, le Verbe de vie, le Christ. Dieu envoie sa parole et elle lui revient une fois sa mission accomplie. Le temps de carême, frères et sœurs, est un temps propice pour se laisser entraîner par la parole de Dieu et pour accueillir davantage le mystère du Christ pour notre vie d'aujourd'hui. Il nous faut désirer rester en état de disponibilité à cette rencontre avec le Seigneur, nous mettre en son écoute, laisser sa parole pénétrer, nous laisser apprivoiser pour entrer dans le mouvement de conversion dans lequel elle nous entraîne. Aucune lecture spirituelle, si belle et profonde soit-elle, ne pourra jamais remplacer la parole de Dieu. Le Verbe en personne, le Christ, agit à travers elle pour féconder nos âmes et nos vies. Il les transforme petit à petit pour y faire son ciel et nous aider à accomplir notre propre mission d'aujourd'hui et demain. Oui, sa parole nous donne une joie et une force pendant notre route vers la Pâque. C'est bien, frères et sœurs, de le partager avec les autres. C'est une nourriture, une lumière sur notre route. Esprit Saint, remplis-nous de ta présence pour que nous puissions accueillir cette parole vivante dans notre cœur, qu'elle nous illumine de jour à jour pour suivre le Christ
sur son chemin. Amen. Pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Nous te confions, Seigneur, notre pays. Viens faire reposer ton esprit sur la terre de France, fille aînée de l'Église. En pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Nous te confions, Seigneur, l'Église de France et ses pasteurs. Que ta force et ton courage les animent toujours. En pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Nous te confions, Seigneur, les gouvernants politiques de notre pays, que ton esprit de justice et de charité les guide et les inspire dans chacune de leurs décisions. En pitié de nous, Seigneur, Yeah.
Père, ta parole nous travaille en profondeur pour que notre cœur se convertisse. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la maîtrise de nos sens, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénis soit le Seigneur. Nous rendons grâce. Son.